Et coucou les amis, c'est Pooch. On se retrouve pour un let's play sur The Last of Us Part 2 sur PS4 Pro. Donc je relance le let's play. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un chargement avec des petits papillons de nuit. Intéressant. Alors je sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Je sais pas. Donc on va voir si j'ai des problèmes en fait de capture. Ça me met des no-signal. Donc là, c'est la troisième prise. J'ai changé de port USB sur le PC. En espérant que ce soit suffisant. Et puis je vais voir si je peux retourner mon boîtier. Ce serait pas mal ça. De passer à un boîtier interne plutôt. Une carte d'acquisition du coup. Plutôt qu'un boîtier externe. Donc voilà. Un jeu Naughty Dog, bien entendu. C'est toujours eux. Et la guitare de Joël. Donc voilà, il y aura beaucoup de cinématiques au début. Donc les cinématiques, on va les laisser. On va se taire. On va en profiter. La conduire jusqu'aux lucioles et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire de remède. Ou peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. C'est pas vrai. Docteur ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu? Je l'ai sauvé. Allez, Ellie. Je te tiens. Je te tiens. Bloquez les sorties! On le lâche pas! Merde. Quel merdier. Ellie est au courant? Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi? Elle a jamais dit le contraire. On devrait y retourner. Et
Ah, il y a des cadavres sur le sol, j'ai même pas fait gaffe. La première fois que j'ai fait cette scène. J'ai pas vu, donc ils ont éliminé quelques petits infectés là. Il y a du monde ici. Ah oui. Ah ouais, j'avais même pas capté la première fois. Ah, il y a des bagarres ici. Bon, après, c'est désinfecté, ils sont méchants, faut les tuer. Travis McIntosh. Ah ouais, d'accord, le programmeur c'est Kevis, c'est un Macintosh. Intéressant. Brink. C'est le mec de la Brinks. Baldwin. Baldwin, ça me dit quelque chose. Il n'y a pas un acteur qui s'appelle Baldwin, non? Un truc comme ça? Death Hatfield. Allez, Grégory, Marksen, Shekar. Oula, il y a calé, là. Et on appuie sur X pour sauter. Voilà. Voilà, c'est bien. Même Joël le dit, donc... Si Joël le dit, c'est que c'est bien. Voilà. Petit saut. Pas sûr que c'était utile, mais quand même, petit saut. Alors, c'est vers là que je perdais le signal. Pour l'instant, il est toujours là. J'espère que c'était un problème de port USB. J'espère que c'était que ça. Voilà, on va dans la planque, donc dans le... Je sais pas comment s'appelle cet endroit encore. C'est notre zone, c'est notre safe zone en fait. Pour l'instant, c'est notre safe zone. Vu la taille de la bâtisse, je pense pas qu'il y ait des infectés qui puissent rentrer là-dedans. Ça m'étonnerait. Baker, le boulanger. Santolala. Quoi il ? C'est bon, je m'en occupe. Vas-y. Ah, ils ont garé mon cheval, c'est bien ça, c'est gentil. D'accord. Avec ma guitare sur le dos. Mon petit sac dans la main. Et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. Ah, ça fait du bien. Un peu de soutien moral. Porterai ton secret dans la tombe. Merci mon pote. Allez. À plus tard, Tommy. Allez mon bon valet, garde mon cheval. Lui c'est mon bon valet lui. C'est bien, l'électricité et tout ça, il y a de l'eau, il y a d'avoir l'eau courante aussi. Électricité. Une belle forteresse, quoi. On est bien, là. Elle est là, Ellie. Notre héroïne. Hey, oh. Forcément, elle n'entend pas. Ellie. Musique à fond dans les oreilles. Égal surdité. Bon, comme j'ai dit au début, c'est cinématique, forcément. Faut bien introduire l'histoire. Comprendre où on va. Comprendre d'où on vient. Tu m'as foutu une de ces trouilles. Ah, t'avais la musique à fond. Salut. 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 Tu voulais quelque chose ? Rien de spécial. Tu sais, tout le monde est très impressionné par toi, par la façon dont tu sais te rendre utile. C'est cool. Ouais.
Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Joël, écoute, il est super tard et je dois me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps. C'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Qu'est-ce que c'est ? Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sans deck. Je peux te jouer quelque chose ? Ok. Ah, ça va être à nous de jouer, là. Ça, c'est pas mal, cette séquence. La séquence guitare. Tu me promets que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Allez. La petite séquence guitare qui va bien. Je compte sur toi. Alors, on va essayer de le faire vite. Tac, ok. Oh là là là, ça c'est du perfect. Du perfect guitare, c'est pas mal. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed. To make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore. As I believe, and I believe, as I can see, our future days, days of you. Eh ben, c'était pas si mal. Je prends ça comme un compliment. Elle est pour toi. Oh non, 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 je saurais même pas je comment t'ai la tenir. Promis que je t'apprendrai à en jouer. Je te dirai d'une première leçon demain soir. Pendu. Ok. Ok. Est-ce que... La blague t'est revenue ? Non, vaut mieux pas. Non, pas de blague. Non. Ah. Tu sais quel est le comble pour une horloge ? Oh non, une blague comble, les pires. C'est de devoir tuer le temps. Ok, bon, d'accord, c'est bien. C'est vraiment débile. Ouais. Allez, dors bien. Thank you.
Last of Us Part 2. Elle a grandi. 4 ans plus tard. Salut. Bonjour. Désolée, j'ai dormi trop longtemps. Je m'habille et j'arrive dans une minute. Il paraît que t'as passé une drôle de soirée. Je... Elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. Ça voulait rien dire du tout. Je parlais de ton engueulade avec Seth. Attends, t'as embrassé Dina? Je croyais... On est séparés depuis une semaine et tu bécotes mon ex? Non. Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux. Moi, je voulais pas. Oh, putain, c'est trop gênant. Tu vois pas que je te fais marcher. Je m'en fous, ça va. Va t'habiller. Oh, t'es qu'un con. Hé, c'était quand même pas très cool. Oh. Dépêche-toi, on est en retard. Allez, fouillons. Ça pue pas. Fouillons la... Oh, la chambre. Je suis fatiguée. Ok. Il y a une télé. Oh ah, il y a une Play 3. Ah, il y a une PlayStation 3 là. Comment on zoome? Il n'y a pas moyen de passer en vue intérieure? En vue à la première personne? La guitare de Joël. Ah, la guitare de Joël est toujours là. C'est quoi ça? Il y a un manga, c'est quoi? Brave Limite. Deux manettes de PlayStation 3. C'est quoi le jeu? J'arrive pas à voir c'est quoi le jeu. Me dis pas qu'elle joue à The Last of Us, ça serait rigolo ça. Elle joue à son propre jeu? Ouais, peut-être. Hein. Peut-être qu'elle joue à son propre jeu. Ah, il y a des jeux là-haut encore. Enfin, je sais pas si c'est des jeux ou des DVD. Le lecteur, par contre, il est sorti. Non, ça, c'est des DVD, ça. Ouais, ça doit être des mangas ou des trucs comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'avais pas vu ces détails la première fois. Eh oui, il y a des détails de partout. Allez, okay. On prend la veste. On prend le petit pistolet, bien sûr. Allez. Le carnet de notes, bien sûr. Il y a quoi là? Attends. C'est dommage qu'on puisse pas zoomer en fait. Là, j'aimerais bien voir. Il y a marqué quoi là? Pioneer of Science. Les pionniers de la science. Ah. Intéressant. Et là, il est en train de lire quoi? Une BD. Et ça, c'est des cartes. C'est quoi comme carte ça? J'aime bien voir les détails dans les jeux comme ça. Ça me fait marrer, ça. Titan. Ah, il est titan. Joël est réveillé. On a repéré les infectés au nord. Et elle a envoyé en patrouille avec Tommy. Ça craint. Ouais. Ils n'ont pas dû beaucoup dormir. Pas autant que toi, en tout cas. Arrête. J'allais justement me lever. Mm-hmm. Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut? Ouais. Ouais. Tout ce qu'il faut, mon pote. Je te préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Ah bon? Pourquoi? Un star. Ok, petit résumé. T'as embrassé Dina. C'est elle qui m'a embrassé. Ce qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Ouais. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. C'était une soirée bizarre, Jesse. Plutôt mouvementé. Tout mouvementé, il y a de la bagarre. Tu m'en veux pas, hein? Toi? Non, pas du tout. Dina et moi, c'est du passé. Je sais, mais je veux pas que tu penses. Ellie, tout va bien. C'est promis. Merci. Allez, il est où mon pote? Ah. Et le Woufouf, il est où? Ah, il est là.
Salut, mon vieux. Il est là, Loufouf. Oui, ça fait du bien. Allez, bouge. Salut, Jesse. Oh, salut. C'est quoi ça, Chipsy Bison? Ah. Comment ça se passe? Qui ouvre la porte là? C'est toi qui ouvre? Ben vas-y, ouvre. Ah. Faut l'attendre qu'il se pose contre la porte. Non. Où est Maria? Derrière. Oh, il y a du monde ici. Pardon. Ellie, viens, je t'attendais. Seth voudrait te dire quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Oh, d'accord. Seth, viens là. Au secours. Salut. Écoute, hier soir, j'avais un peu bu. Ouais. J'essaie juste de m'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dina. Ben, j'ai préparé des sandwichs. Ok. À la viande. Merci, Seth. Des sandwichs à la viande. Il dit pas quelle viande. Ouais. Bon. Ça peut être de la viande infectée, on sait jamais. Hein. Soyez prudente. À la viande. Ouais. Je te remercie, Ellie. C'est quoi ça? Sandwich de fanatique. Ça sent bon. Prends-les. T'es sûr? Vas-y, je vous raccompagne. Ok. Elle nous raccompagne, il y a 2 mètres à faire. Elle va nous parler. En partant, je veux que tu relèves Tommy et Joël. Ah, nous raccompagne d'or. Ils sont partis depuis bien trop longtemps. Je les retrouve où? Ils devraient être au poste de Gaynor West un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. J'avais prévu de vérifier la route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière? Non, pas vraiment. Très bien. Dina la connaît bien. Le bébé. Elles pourront y aller ensemble. C'est réglé alors. Ouah, comment il va faire pour descendre? Ouah, ouais, il a fait un saut. Les détails, les petits détails comme ça, moi je me régale. Avoir Little Daycare. C'est un singe par contre, mais c'est pas grave. Ellie, je peux te parler une seconde? Allez, dis-moi tout. Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Maria, il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûr? Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudente. D'accord. Hé, hey, Dina! C'est l'heure! 2 secondes, j'arrive! Tu peux dire à ta copine d'aller aux écuries, s'il te plaît? Waouh! À ta copine, ça y est. Dina? Je peux te parler? Hé, hey, les gars, je fais une pause. Oh non! Ça va durer longtemps? Le temps qu'il faudra. Salut. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave, je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et je... T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Ok. On devrait se mettre en route. Ouais. Ah, ça va pas, non? Je joue pas avec vous, moi! Quoi, t'as la trouille? Mouillé. On lui met la misère. Allez. Ouais, bonne idée.
Vous l'avez cherché ? Gare à vos miches, les petits cons ! Ah merde ! Mettez-vous à couvert, vite ! Ouais, c'est ça, va te planquer ! Va te planquer ! Mange ça ! Oh là là, 4-0. Ah, 4-1. Force, gamin ! Je vais t'attraper, Minus ! Oh, 4-2. Je me suis pris une balle là de loin. Allez, tiens ! 5-2. 6-3. 7-3. 9-3. 9-4. Je te vois. Et voilà, 10. Allez. Non, 9. J'ai pas touché. 9-4. Oh, quel lancer magnifique. Oh, lui là-haut. Lui là-haut. Ah, oh, il m'a eu. Oh, oh, oh non, non. Attention, on va perdre. 9-7. Attends, attends. Ah, là, c'est bon. 17, oh, on avait y perdre. Mangez ça, les crevettes. Hey, hey. Alors, ça fait quoi? Sur elle. Vous allez pas vous en tirer. Stop, lâchez-la, bande de monstres. Bande de monstres, les crevettes. C'est pas tout ça, mais on a du travail. Du vent. Oh, non. Je l'ai bien mérité, non? Ouais. Yep. On y va. Yep. Jesse, on va pas prendre la voiture, je suppose. On va envoyer la cheval. Il va relever Joël et Tommy. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. C'était une déneigeuse en fait. La salut les filles. Bonjour. Salut. Je m'en occupe. Merci. Ah, notre cheval. Ok. Ça, c'est un bon cheval. Regarde qui est là. Merci. Allez, c'est bien. Salut, Payette. Dimitri. C'est notre cheval, il s'appelle Dimitri. Ah, regardez qui a décidé Payette. De nous rejoindre. Ouais. Un pour toi. Et un pour toi. Ouvrez les portes. Bon, écoutez-moi. On y est. Vous connaissez le topo. Vous suivez l'itinéraire, vous prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Si vous tombez sur plus gros que vous, vous revenez. Pas de conneries, ok? D'accord. Allez-y. Ya! Allez, ya! Vas-y, Dimitri. Dans l'intro. Nouveau protagoniste. Salut. Femme. Salut.
Salut. Et homme. De quoi tu rêvais ? J'ai dit quelque chose. Non, Meta. Tu faisais grincer tes dents. Oh. Où t'es allé ? Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi ? Je vais te montrer. C'est par là. La vache, ça caille. T'es sûr que tu veux pas faire ça quand il fera jour ? Ah, j'ai allumé la torche. Des degrés de plus. Ok. Toujours les tutos. Rick a traîné comme ça, tout seul. J'arrive pas à dormir. Toi non plus ? Puis on va vers le sud, du séjour. Et si on continuait ? On pourrait filer jusqu'au Mexique. J'y ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manny. Ouais, quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Ouais, t'as sûrement raison. T'as fait tout ce chemin dans le noir ? Oui. Allez, viens. Si on continue comme ça, on sera crevés avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va ? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Oui, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça ? Quoi ? Non. On fait rêve. T'inquiète, j'ai eu ma dose. Donne-moi l'élan en courant. J'en ai capable, alors moi aussi. Attends, parce que j'ai voulu l'évider en fait. Mais... Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah, faut courir. Ok. Wow. Ça marche mieux. Et ouais, on n'est pas tous aussi gracieux que toi. Quoi ça ? Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Oh merde. Hé, hey, regarde-moi. Abby, ne regarde pas en bas. Owen, faudra repasser par là, au retour ? On a leur prénom. C'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te Owen, décarrer, Abby. Mes peurs. Abby, arrête de me draguer. Putain. C'est carrément une ville. Ouais. T'en as parlé à quelqu'un ? Je voulais que tu sois la première. J'ai vu des gardes armés patrouiller entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre ? On n'a qu'à attraper un des... Nos signals. Voilà, on reprend nos signals. C'est le premier. Alors, est-ce que ça va se résoudre ? Si ça se résout, j'attends un peu. Mais si ça se résout pas, je sais pas du tout d'où ça vient. Je pense que c'est le boîtier qui est en train de rendre l'âme. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'il y ait du nous signal comme ça.
C'est revenu. Suite. Bon. Faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée ? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen ? Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai? Oh, j'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hey. Arrête. On se voit à ton retour. Allez, on y va en solo. Et du coup, on joue à Abby. Allez, le but c'est d'atteindre le point de contrôle. Et de voir ce qui se passe là-bas. Un peu. Et glisser un peu aussi. Il a mis mêle en cloque. C'est par où là ? Ah, c'est par là. Merde. Il y a du cadavre. Cadavre surgelé. Oula. Oh putain. Dégage. Ah, ça surprend toujours. Allez, frappe. Oh là. Helen, esquive, ok. Bon. Ça va partir en vrille. C'est parti. Bien gérer le esquive patate. Je vois qu'on n'a pas le temps, on se cache. Les escalades ou pas? Apparemment non. Oh merde, mon épaule. Équipe médicale, R2, maintenir, ok. Bon. Donc on a toujours la vision. Je sais pas comment ils appellent ça, mais. La vision pour voir un peu les. Ah voilà, eux là. Comment je fais pour sortir d'ici ? Les infectés.
On va suivre les câbles jaunes. Très mauvaise idée, Abby. Tiens. Mange ça. Il n'y a pas des balles sur lui ? Non. Il est où ce poste de guet ? Alors, à la recherche du poste de guet, du point de contrôle. Oula. Vous approchez directement des ennemis, appuyez sur triangle pour les saisir. Hop. On l'élimine. Voilà. En plus, il a des balles. Parfait. Perfecto. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le coin ? Ah, c'est quoi ça ? Encore des balles. On prend. Ça se prend pas. Alors, on va en bas. Ah, il y a quelqu'un ici. Il est seul, il a l'air seul. Oh, il y en a un autre mec là-bas, mais on va s'occuper de lui déjà. Oh, elle a poussé en avant. J'ai peur qu'il nous voit l'autre. Ok, il nous a pas vu. Lui, il a l'air de faire une ronde. Essaye de le choper avant qu'il revienne. Tac. Voilà. Laisse-toi faire. Ça va vite. Fouiller la zone, on sait jamais. Par exemple, ça, une balle. Ici. Que c'est toujours ça pour ouvrir le sac? Non, elle, ça marche pas. Ok, elle a pas de sac apparemment. En tout cas, il n'y a pas de menu de craft. Putain, je sais pas où je suis. Ok, là il y a du monde. Merde. Là il y a du monde. Il va revenir lui. Il est complètement perdu. Voilà. Tac. Ça c'est fait. Oh, il y en a au moins 3. Je m'attaque à lui, son pote. Là-bas. Ah, c'est bon, son pote bouge. Parfait. Boum. Voilà, ça dégage. Plein. Et là, il y a deux loustiques qui sont là. Dont une. Apparemment, vu le bruit que ça fait. Là, pas de...
Ah mince. Esquive. Allez, boum. Corps à corps, c'est bon. Allez, ça se termine. Voilà, ça dégage. Je crois qu'il n'y a plus personne. Hein. Ouais, non, allez, il n'y en a pas d'autres. Là. T'inquiète pas. Il n'y en a pas d'autres. Où est la route? Exactement. C'est la question que je me pose. Où est la route? Faut passer par où, là? Faut passer par où? Par en dessous? Ah ouais, par là. Je pense que c'est par là. Est-ce qu'il y a du monde ici? Ça n'a pas l'air. Ah, des traces. Où est la patrouille ? Bonne question.